Enregistrement d'une chanson. Il existe quatre façons simples d'enregistrer une chanson avec PA900. Le backing sequence, parfois appelé quick record, le step backing sequence, l'enregistrement 16 pistes MIDI traditionnel et l'enregistrement audio en format MP3. Avec la méthode backing sequence, il n'est pas nécessaire d'enregistrer chaque piste séparément. Vous pouvez utiliser n'importe quel style. Et pendant que vous jouez, chacune des pistes d'accompagnement est enregistrée sur une piste de séquenceur. Par exemple, la batterie, la basse, l'orgue, etc. Assurez-vous d'être en mode style play. Puis sélectionnez un style dans la catégorie Contemporary, page 2, Jazzy Funk. Passez en mode séquenceur et appuyez sur le bouton rouge Record situé près du coin inférieur gauche de l'écran. Sélectionnez Backing Sequence Quick Record sur l'écran, puis touchez OK. Choisissons la variation 2 et utilisons l'intro 3 pour lancer la chanson. Réglez la résolution à la croche. Cela permettra de corriger l'entrée de vos accords, des éléments de style, etc. et non la musique à la croche la plus proche. Cela n'est pas obligatoire, mais peut aider à ce que les changements d'accords et les sélections d'éléments de style aient lieu exactement au moment où vous le souhaitez. Appuyez sur le bouton Start-Stop du style déclenchera simultanément le style ainsi que l'enregistrement séquenceur après une mesure de décompte. Plaquez d'abord le premier accord. Nous voilà prêts. Appuyez sur Start. Jouez quelques accords. Sélectionnez une autre variation. Ending 3. Appuyez sur Stop du sampler. Cela recalera automatiquement la chanson à la première mesure. Appuyez sur Play. Toutes les pistes du style ont été enregistrées en respectant vos accords, les variations, la fin, etc. C'est déjà impressionnant. La chanson que vous venez de créer aurait pris des heures avec un séquenceur traditionnel. Mais imaginez que vous aviez commis une erreur, ou changé d'avis sur la progression des accords, ou sur la variation utilisée. Avec un séquenceur traditionnel, vous serez obligé de modifier toutes les pistes, même pour simplement remplacer un accord de sol majeur par un mi mineur. Ce qui nous amène à la deuxième façon d'enregistrer sur le PA900, le step backing sequence. Avec le step backing sequence, vous pouvez entrer pas à pas la suite d'accords, ou quelle variation vous voulez sur quelle mesure, etc. Cela vous permet d'enregistrer des chansons présentant des difficultés telles que normalement vous n'aurez peut-être pas le temps ni la patience de les aborder. C'est aussi parfait pour les musiciens qui n'ont pas l'habitude de jouer du clavier, les guitaristes, les chanteurs, etc. Mais l'autre avantage, c'est de pouvoir intervenir dans une chanson que vous avez créée avec le backing sequence et d'y apporter des modifications rapidement et facilement. Par exemple, disons que nous souhaitons changer un accord dans la chanson et aussi un fill. Appuyez sur Record. Choisissez Step Backing Sequence et touchez OK. Vous pouvez faire défiler les événements par mesure, par croche ou par événement. Vous pouvez remplacer un accord par un autre en sélectionnant l'accord ici et puis en jouant le nouvel accord sur le clavier ou bien utiliser l'écran pour effectuer le changement. Allons plus loin dans la chanson pour trouver le fil numéro 2. Et le remplacer par le break. Touchez Done et puis Yes. Appuyez sur Play pour entendre les changements. Utilisons maintenant la méthode séquenceur traditionnelle. Appuyez sur Record et choisissez Multi-Track Sequencer. Le bouton Track Select permet de basculer des pistes 1 à 8 aux pistes 9 à 16. Les pistes 9 à 16 contiennent les données enregistrées du style. Affichez les pistes 1 à 8. Ce qui a été joué sur les pistes de clavier a été enregistré sur les pistes 1, 2, 3 et 4 selon que vous avez utilisé Upper 1, Upper 2,
etc. La piste 7 sera vide, alors touchez ici pour enregistrer sur la piste 7. Touchez l'icône Sound Bank de la piste 7 et sélectionnez le son que vous voulez. Puis Exit. Réglons Resolution sur High afin qu'aucune correction ne soit apportée au timing. Après avoir appuyé sur Play, il y aura une mesure de décompte puis l'enregistrement commencera. Appuyez sur Record pour arrêter l'enregistrement, puis appuyez sur Play. Lorsque vous éteindrez le PA900, la chanson que vous venez de créer sera effacée. Si vous quittez le mode séquenceur pour aller dans un autre mode, Style Play par exemple, la chanson sera également effacée, mais un avertissement s'affiche qui vous informe de cette suppression. Touchez No pour annuler la suppression et enregistrons la chanson sur le clé USB. Ouvrez Page Menu et sélectionnez Save Song. L'USB étant probablement encore le périphérique sélectionné, touchez simplement Save. Touchez le T et donnez un nom à votre chanson. Puis touchez OK pour confirmer le texte, puis OK encore, puis Yes pour l'enregistrer. Votre chanson a été enregistrée comme un fichier standard MIDI qui peut être lu en mode Song Play ou chargé dans d'autres séquenceurs. Passez en mode Style Play. Nous avons sauvegardé la chanson, alors touchez Yes en réponse à l'invite. Il est aussi possible d'enregistrer votre performance en format MP3. Tout audio créé par le PA900 sera enregistré. Ce que vous jouez au clavier, le style, le fichier MIDI standard, même l'entrée microphone, les harmonies et les effets. Sélectionnez le style que vous souhaitez. Par exemple, de la catégorie Ballade, Modern Ballade 1, et appuyez sur Exit. En maintenant la touche Shift enfoncée, appuyez sur Record. Ici, vous pouvez choisir la qualité de l'audio. Plus la qualité est grande, plus le fichier MP3 sera lourd. Et ici, vous choisissez où stocker temporairement le fichier avant de choisir l'emplacement définitif. Laissez-le sur disque. Lorsque vous êtes prêt, touchez Record. Tonight we'll be together. Tonight we'll be together. Touchez Stop à l'écran. Vous pouvez toucher T pour nommer le MP3 ou bien le laisser tel qu'il est. Touchez Browse et sélectionnez la clé USB. Touchez OK. Et puis touchez Save. Le MP3 que vous avez créé peut être joué en mode Song Play ou par n'importe quel lecteur d'MP3. Le PA900 est un outil incroyable pour créer votre propre musique. Les styles sont une source d'inspiration et vous disposez de plusieurs moyens pour capturer votre inspiration.